Invoquons la présence de Dieu. Vamos a invocar la presencia de Dios. Ô Dieu notre Père. Ô Dieu notre Père. Pardon. Padre nuestro. Merci parce que tu te réjouis comme nous de cette cérémonie. Gracias porque te alegras con nosotros de esta ceremonia. Tu nous acceptes comme nous sommes. Nos aceptas como somos. Alors Seigneur, nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Así es que te deseamos la bienvenida entre nosotros. Et nous ferons notre possible pour que tu sois fier de nous. Y haremos lo posible para que estés orgulloso de nosotros. Merci parce que aujourd'hui tu as un intérêt tout particulier pour Lucie et Victor Hugo. Gracias porque hoy tienes un interés particular por Lucy y por Victor Hugo. Fais-leur du bien. Hazles bien. Et permets que cette cérémonie reste gravée dans leur mémoire. Y permite que esta ceremonia quede grabada en su corazón. Comme un jour exceptionnel de leur vie commune. Como un día excepcional de su vida en común. Accompagne chacun d'entre nous. Acompáñanos a cada uno de nosotros. Et inspire-nous pour que nous te fassions plaisir. Inspíranos para que podamos hacerte placer, darte gusto. Amen. Amen. Alors encore une fois une cordiale bienvenue. Una vez más una cordial bienvenida. À la famille de Lucie. A la familia de Lucy. À la famille de Victor Hugo. A la familia de Victor. Et à tous les amis qui nous font le plaisir d'être là. Y a todos los amigos que nos dan el gusto de estar aquí. Permettez-moi une demande pour conserver à la cérémonie son côté spirituel et assez recueilli. Permitidme una petición para que la ceremonia pueda conservar su estado espiritual. Si vous êtes d'accord de ranger vos téléphones portables et vos appareils de photos. Si podéis guardar vuestros teléfonos, ponerlo en silencio y vuestros aparatos de foto. À l'exception de Carlos, bien évidemment, qui est le photographe officiel. Excepto Carlos, que es el profesional. Et des caméramans de Collonges que nous remercions parce qu'ils nous préparent un souvenir fantastique de la cérémonie. Porque y a los cámaras que nos preparan un recuerdo muy bonito de esta ceremonia. Nous pourrons avoir accès à toutes ces photos et ce film après. Tendremos acceso a todas esas fotos y vídeos después. Si c'était utile, je vous demande aussi de ne pas oublier dans une heure et quart environ de rallumer vos téléphones portables. En todo caso, de aquí una hora y cuarto más o menos podréis, no hay que olvidar de encender de nuevo los teléfonos. Parce que bien sûr, vous les avez éteints pour qu'on soit pas dérangé par des sonneries, de messages, d'appels et autres. Porque claro, los habéis apagado para que no tengamos problema con esos sonidos. Merci d'avoir prêté attention à ces annonces. Gracias por haber escuchado estos anuncios. Lucie, comment vas-tu? Ça va bien? Lucy, comment vas-tu? Il dit que bien. Victor Hugo, tu vas bien? Très bien. Essayez de profiter de ce moment. Intentad de aprovechar de este momento. Parce que dans un objectif normal, vous allez vivre qu'une fois cette place-là. Porque en un estado normal vais a vivir solamente una vez este momento. Alors il faut en profiter à fond. Tenéis que aprovechar al máximo. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien Lucy, para aquellos que no conocen muy bien Lucy, on va inviter Bernard Gobi à venir nous dire quelques mots d'elle. Bernard c'est Gobi. Pas Bernard, c'est faux. C'est juste. Et puis Léo Lopez, je t'invite aussi à monter déjà maintenant, lui dira quelques mots de Victor Hugo, si quelques-uns pensaient connaître Victor Hugo, mais c'était un autre, évidemment. Entonces va a haber Bernard Gobi qui va présenter Lucy et Léo Lopez qui va présenter Victor. Un autre Victor que conocía antes. On peut attendre. Bonjour à tous. Buenos días a todos. Alors, on m'a demandé au pied levé de présenter Lucy. C'est une grande responsabilité. Et je vais essayer de le faire, si vous permettez, avec un peu d'humour. Parce qu'un mariage, c'est joyeux. Hein, on n'est pas obligé d'être triste ce jour-là. Au contraire. Me han pedido presentar a Lucy así, de una manera un poco improvista, pero lo hago con mucho gusto. Es una gran responsabilidad. Así es que voy a hacerlo, pero con un poco d'humour. Alors moi, on perçoit souvent le monde à partir de nous-mêmes. Normalmente percibimos el mundo desde nosotros mismos. Et donc, j'ai vu Lucie sur deux aspects, si vous voulez bien.
Entonces he visto a Lucy en dos aspectos principalmente. Alors le premier, quand j'ai rencontré Lucy, c'était à Avignon. Elle avait, je crois, 16-17 ans. El primero ha sido cuando tenía 16-17 años en Avignon. Et j'ai rencontré donc cette jolie jeune fille, un peu timide, parce que Lucy est un peu timide, mais elle y est de moins en moins. Y la encontré jovencita y un poco tímida, y ahora cada vez se vuelve menos tímida. Alors ce qui m'a frappé chez Lucy quand je l'ai vue la première fois, mais je me suis dit, mais c'est un ange. Cuando la vio por la primera vez, sé que le dio más impresión era que le parecía un ángel. Parce que vous savez que dans la Bible, des fois, les anges s'incarnent. Mais bon, alors bon, peut-être c'est pas un ange, mais elle m'a fait l'effet d'un ange. Vous savez, dans la Bible, à veces los ángeles s'incarnan, dice, pero le dio la impresión de ser un ángel. Voilà. Et donc, ça, c'est le premier aspect. Ça vous donne déjà une caractéristique de la personnalité de Lucy. Hein? Ça vous donne un trait de caractère. Ahí podéis ver una característica de su carácter. Ya. Et le deuxième aspect, c'est Lucie, je l'ai vue comme une plante fragile. Comme je suis agriculteur, permettez-moi de la comparer à une jeune plante fragile qui pousse, en l'occurrence un plant de tomate. Mm-hmm. Como soy agricultor, me permitiréis que pueda comparar a Lucie con una planta, una tierna planta que yo diría como una tomatera. Alors vous savez que les plants de tomates, au début, c'est fragile. Et il faut s'en occuper. Et j'ai eu cette responsabilité de la faire cheminer jusqu'au baptême, et ça a été un grand plaisir. Parce que Lucie, comme parfois les tomates sont attaquées, vous savez, par une maladie qui s'appelle le mildiou. Et le mildiou du péché. Ok. Alors, en étant siendo joven, elle a pu accompagner Lucie en son crecimiento personnel. Sobre todo cuando era jovencita para su bautismo. Y es verdad que las tomateras, como hay una enfermedad que se llama... también son atacadas las personas con el pecado. J'en profite, c'est une parenthèse, c'est une maladie qui nous attaque tous. Mais heureusement, il y a un remède, et ce remède naturel, eh bien, c'est ce qui, les conseils et les messages qui sont contenus dans la Bible. Mm-hmm. Y gracias a Dios hay un remedio para esa enfermedad y está contenido en la Biblia, o sea que todos nosotros podemos acudir. Et donc Lucie, avec elle, eh bien, on a pu. J'ai lu. On a pu cheminer jusqu'au baptême. Entonces con Lucie hemos podido caminar juntos hasta el momento del bautismo. Excusez-moi. Et ça a été une grande joie pour moi, mais pour elle aussi. Parce qu'elle avait, je crois, des souffrances. Et je crois qu'on peut guérir aussi. Et nous tous, qui nous sommes atteints par ce mildiou, nous pouvons aussi guérir. Et je crois que c'est ce qui se passe pour Lucie, progressivement, dans son cheminement. Et je suis heureux maintenant qu'elle puisse avoir trouvé un tuteur. Vous savez que les tomates, on leur met un tuteur. Bah oui. Alors... Está contento de haber podido acompañar a Lucy en ese descubrimiento, en ese crecimiento, porque había cosas que tenía que curar en su interior. Y bueno, ahora está contento de que tenga un tutor. Sabéis que las tomateras tienen una especie de varita para que puedan dirigirse y crecer de forma estable. Voilà. Et je suis sûr que Victor lui conviendra parfaitement, et j'en suis très heureux. Jusqu'à ce que Lucie devienne une belle tomate bien rouge. Y está contento de dejar entre las manos de Víctor esa labor de hacer de Lucy ese tomate rojo y hermoso que va a ser. Et comme elle a tendance à rougir, ça sera pas difficile et ça sera un bon fruit pour Victor. Que Dieu vous bénisse. Y así podrá ser un buen fruto para Víctor, que Dios os bendiga. Il y a quelques années, dans l'année 2006, hace algunos años, en el año 2006, j'ai débarqué à Paris. Llegué a París. Et là, à l'église hispanique de Paris, il y avait un personnage. Y allí, en la iglesia hispana de París, había un personaje.
Mais ce personnage-là, il n'est pas comme vous le voyez là maintenant. Pero ese personaje de entonces no es como lo veis ahora aquí. Il avait des cheveux longs jusqu'ici. Tenía pelo largo hasta la cintura. Je pense qu'il faisait les doubles tons de muscles qu'il avait. Creo que hacía el doble de músculos de lo que hace. Et à partir de là, on a commencé à tisser des liens d'amitié. Y desde ahí hemos comenzado una relación de amistad. Victor, il a été toujours accueillant envers moi. Ha sido todo siempre una persona que me ha acogido como amigo. Je suis un peu ému parce que c'est le premier ami que j'ai eu à Paris. Estoy un poco emocionado porque es el primer amigo que he tenido en París. Et vous savez, quand on arrive dans un pays immigrant, y vous sabéis que cuando llegamos a un país inmigrante, c'est pas facile. No es fácil. Alors, si je devais décrire Victor avec un seul mot. Entonces, si tuviera que describir a Victor con una sola palabra, c'est générosité. Es generosidad. Un an plus tard, après notre amitié, j'avais nulle part où aller vivre. Un año después de haber comenzado nuestra amistad, no tenía dónde ir. Et Victor, il m'a dit, t'inquiète pas, Léo, viens chez moi. Il a dit, no te inquiétes, Léo, ven à mi casa. Évidemment, tu vas payer le loyer, mais ok. Evidentemente vas a pagar el alquiler, pero... À partir de ce moment-là, je pense que tant pour lui comme pour moi, nous avons vécu une année, mais vraiment extraordinaire à niveau spirituel. Y tanto para él como para mí, ese año que hemos vivido juntos ha sido excepcional espiritualmente. Parfois on se rendait pas compte, c'était 12h du matin, on était là en train de prier, de lire la Bible, de chanter. A veces eran las 2 de la mañana y estábamos leyendo, llorando y hablando de Dios. Et vous savez, c'était une des prières qu'on faisait à cette époque-là. ¿Y sabéis cuál era una de las oraciones que hacíamos a esa época? Vous le voyez comme il rigole, non? Veis como río, ¿no? On priait pour que ce jour-là arrive. Orábamos para que este día llegara. Mon ami Victor, Lucie, bah, Dieu il a répondu à ta prière 10 ans plus tard. C'est ça? Dice, bueno, Victor y Lucie, Dios tiene poder para responder oraciones 10 años más tarde. Alors, j'aimerais prendre 6 mots pour décrire un petit peu qui tu es et si vous ne le connaissiez pas. Alors, voy a coger 6 palabras para describir a Victor si no lo conocéis. Victor V como victorieux. Victor tiene 6 letras. V como victorioso. Vous ne le savez pas, mais lui, il est arrivé avec une main devant, une main derrière. Il n'avait rien. No lo sabéis quizás, pero cuando llegó con una mano delante y una detrás. No tenía nada. Mais il avait une chose. Pero tenía una cosa. Son sauveur, Jésus-Christ. Su salvador, Jesús. Et grâce à lui, il savait qu'il pouvait être plus que vainqueur. Y gracias a él sabía que podía ser más que vencedor. Y, 12e qualité. La segunda calidad. J'étais partagé entre intègre et intelligent. Estaba un poco dudoso de decir íntegro o inteligente. Mais finalement, pour être intelligent ou pour être intègre, il faut être les deux en même temps. Dice, pero para ser íntegro hay que ser inteligente y ser los dos al mismo tiempo. Sí, courageux. C, como... Courageux. Courageux, valiente. Con mucho coraje. Con mucho coraje, era eso que buscábamos, con mucho coraje. Y, T, Victor, T, como têtu. Perdón, no, ça c'était le défaut. T como cabezota en francés, pero bueno... Tenaz. Alguien. Jamais de ma vie j'ai vu quelqu'un si persévérant que Victor. Il sait de quoi je parle. À Paris, il n'est pas arrivé tout seul. Après, il a amené sa famille. Il a fait ses études. Parfois, il me téléphonait, mais il disait, Léo, qu'est-ce que c'est dur. Je ne vais jamais arriver à devenir ingénieur. Et là, le voilà, ingénieur. Quand il a commencé sa vie, c'est vrai que no tenía nada. Pero ha sido perseverante, decía, nunca voy a llegar a ser ingeniero, ahora es ingeniero, y además tiene toda su familia aquí. Oh, j'étais entre obéissant y optimiste. Oh, como obediente o optimista. Et je pense que celui qui connaît Victor, il sait qu'il est optimiste, il est toujours joyeux, il est toujours en train de partager, il est toujours en train de... C'est pas grave, on va trouver une solution.
Y aquellos que lo conocéis sabéis que él, Víctor es muy optimista. Et finalement, R. Y finalmente la R. Et je me suis dit, peut-être je pourrais utiliser le mot royal. Parce que dans la culture hébraïque, aujourd'hui, toi tu es le roi, toi tu es la reine. Y quizás tendría que utilizar la R para rey, porque tú eres el rey y ella es la reina. Mais j'ai choisi plutôt R comme responsable. Pero he elegido R más bien como responsable. En tout cas, si vous ne le connaissiez pas, Victor, Lucie, toi tu le connais bien. Mais je pense que tu as quelqu'un qui l'aime sur toutes les choses, Dieu. Et je pense que c'est le plus grand cadeau que Dieu a pu te faire, toi, à l'un et à l'autre. Merci. Dice, pues si no lo conocíais. Et... Por si no lo conocíais, tiene la R de responsable, porque realmente ha querido formar, sobre todo con Dios, una relación fuerte, que es eso lo que va a permitir ser felices a los dos. Si je te dis, Aïna, je t'aime. Est-ce que tu me crois ? Pas vraiment. Pas vraiment, non ? On est d'accord. Quand on dit je t'aime, c'est bien plus que des mots, c'est toute une attitude, tout notre être qui s'engage à exprimer ce qu'on ressent pour l'autre. Et il y a ce texte dans la Bible qui dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Aujourd'hui, c'est vraiment une occasion de célébrer cet amour, de connaître Dieu littéralement dans cet amour qu'on va voir, on va pouvoir témoigner de cet amour. Eh bien, je vous invite à vous lever, on va le chanter, célébrer ce Dieu qui est amour. Alors, on va célébrer et j'ai besoin que vous preniez un peu la place et on va le célébrer de tout notre être, de tout notre corps. Je me réjouis. Je me réjouis en le nom du Seigneur. Je me confie en le nom du Seigneur. Je lève les mains. On lève les mains. Je lève les mains en le nom du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour danser? Thank you.
vous invite à vous asseoir. Ça va toujours? Va bien todavía? Si j'ouvre ma Bible dans Luc au chapitre 10. Si abro mi Biblia en el capítulo 10 de Lucas. Je lis les versets 25 et 26. Est-ce que j'ai la permission de prendre mon téléphone pour l'avoir en espagnol? Le téléphone exceptionnellement. Alors je te laisse trouver Luc 10. T'inquiète pas, stresse pas. Ils ont l'air très occupés, là, les deux. Tu t'inquiètes pas. Tu y es? Luc 10, versets 25 et 26 pour vous deux cet après-midi. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu ?» Ah oui, j'ai pris ton micro, c'est inutile. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Peut-être que vous savez déjà de quelle parabole il va être question avec cette petite introduction. Quizás ya sabéis de qué parábola se consiste con esta pequeña introducción. Alors, avant d'en lire le contenu, j'aimerais un tout petit peu modifier l'introduction pour vous deux. Antes de comenzar el contenido, vamos a hacer pequeños cambios en esta pequeña introducción. Deux fiancés se levèrent et lui dirent. Dos novios se levantaron y le dijeron. Maître, que devons-nous faire pour réussir notre mariage? Maestro, ¿qué debemos hacer para tener éxito en nuestro matrimonio? Pour réussir notre vie à deux. Para tener éxito en nuestra vida a dos. Jésus leur dit. Y Jesús les dijo. Qu'est-il écrit dans la loi? ¿Qué está escrito en la ley? Comment la lisez-vous? ¿Cómo la leéis? Aujourd'hui, les maîtres de la loi ne s'appellent plus ainsi. Hoy los maestros de la ley no se llaman así. Ils s'appellent plutôt théologiens. Se llaman más bien teólogos. Psychologues. Psicólogos. Autres philosophes. Otros filósofos. Voire parfois conseillers conjugaux. Et a veces consejeros conyugales. Et ils continuent de se demander. Y continúan a preguntarse. Que faut-il faire pour réussir sa vie à deux? ¿Qué hay que hacer para poder conseguir vivir bien una vida a dos? Certains conseillers conjugaux se demandent même. Algunos consejeros conyugales se preguntan incluso. Comment vraiment réussir une vie de conjoint? ¿Cómo poder tener éxito en una vida de pareja? Peut-être que Jésus leur répondrait exactement comme il y a 2000 ans. Quizás Jesús le respondería lo mismo que hace 2000 años. Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lisez-vous? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo leéis? Alors, vous vous rappelez la réponse, peut-être? Vous vous rappelez par cœur de la réponse? ¿Os acordáis de memoria de la respuesta? On n'avait pas répété ça hein, pour aujourd'hui. Et je comprends que sous l'émotion, vous ne soyez pas immédiatement à voir les versets de Luc. Alors, on va vous aider. Vamos a ayudar, porque así no es fácil tampoco. Alors, je lis à votre place depuis le verset 27. Desde el versículo 27, dice... L'homme répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, de toute ton intelligence, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Entonces respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Donc finalement la réponse est assez simple. La respuesta es sencilla. Comment réussir votre vie à deux? ¿Cómo vais a tener éxito en vuestra vida a dos? Aimez-vous. Amaros. Et voilà, j'ai fini, on peut rentrer. Voilà, hemos acabado, nos vamos.
Moi, j'aurais fini, mais le monsieur qui est venu interroger Jésus, il a voulu prolonger la discussion. Sí, nosotros habríamos acabado, pero este señor quería continuar la conversación. Et vous vous rappelez, il a dit, mais finalement, c'est qui mon prochain? Pero finalmente, ¿quién es mi prójimo? Mais là, ça ne va pas aller pour vous, parce que qui est mon conjoint, surtout depuis cet après-midi, vous devriez savoir. Dice, pero para vosotros, ¿quién es vuestro prójimo? Sobre todo como pareja, ya lo debéis saber. Et vous savez que Jésus va raconter l'histoire de cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho et qui va être blessé. Y sabéis que después de esta conversación va a comenzar a contar la historia de este samaritano que desciende de Jerusalén hacia Jericó. Et c'est comme ça qu'il va dire qui est mon prochain. Y es por eso que dice quién es mi prójimo. Alors, qui est mon conjoint? ¿Quién es mi pareja, mi marido, mi esposa? Qui est ton conjoint, Victor? ¿Quién es tu esposa, Victor? Je veux l'entendre. Ah, mi querida Lucy. Ma chérie Lucy. Qui est ton conjoint, Lucy? ¿Quién es tu esposo, Lucy? Victor, elle a dit Victor. Victor, ok. Et vous allez me dire que vous le connaissez très bien. Y vais a decir que os conocéis muy bien. Lo conocéis bien. Alors, c'est vrai, vous le connaissez comme il est aujourd'hui. Sí, lo conocéis como es hoy. C'est-à-dire Victor, le sommet du charme. Quiere decir Victor, el sumum de la gracia. Le sommet de la prévenance, de la gentillesse. De ser precavido, de ser amable, el sumum. Un homme que peut-être bien des dames de là aimeraient épouser aujourd'hui. Un hombre que muchas mujeres de la sala irían a casarse con él. Ça, c'est le Victor que tu épouses aujourd'hui. Este es el Victor con el que te casas. Alors, je ne veux pas te décourager, Lucie. No te quiero desanimar, Lucy. Mais peut-être qu'il ne sera pas tous les jours comme ça. Pero quizás no sea todos los días así. D'ailleurs, c'est un peu pareil pour toi, Victor. Y es lo mismo para ti, Victor. Aujourd'hui, d'ailleurs, Léo l'a dit, la reine, c'est Lucie. Dice, desde luego, Léo lo ha dicho, la reina es Lucy. Et tu peux être très fier d'être le roi de la reine. Y puedes estar bien contento de ser el rey de la reina. Mais là aussi, pero también ahí, il y a peut-être un ou deux matins, quizás hay uno o dos mañanas, où Lucie ne sera pas forcément aussi charmante que maintenant. Que quizás Lucie no esté tan guapa como hoy. Alors, on pourrait dire notre conjoint, oui, c'est celui qu'on connaît, qu'on aime aimer. Sí, el esposo o esposa es el que deseamos amar. Et il est comme ce monsieur qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Y es como este señor que bajaba desde Jerusalén a Jericó. Au début, tout va bien. Y al principio, todo va bien. Il marche. Camina. Il est content entre Jérusalem et Jéricho. Está contento entre Jerusalén y Jericó. Il est charmant. Está bien, es amable, está bien. Jusqu'à ce que des bandits viennent et le laissent à moitié mort au bord du chemin. Hasta que viene el momento donde vienen los ladrones y le atacan y se queda medio muerto. Alors, je suis assez content parce que à Neidon, il n'y a plus beaucoup de bandits comme ça. Estoy contento porque en Neidon, donde viven, pues no hay muchos bandidos así. Ni à Colonge, ni à Genève, ni à d'où tu viens, c'est Avignon, j'allais dire Nîmes, c'est pas très loin, mais enfin, ni à Avignon. Donc, ni en Colonge, ni en Ginebra, ni en Avignon. Entonces va bien. Mais il y a d'autres bandits. Pero hay otros bandidos. Par exemple, por ejemplo, la vie professionnelle au XXIe siècle peut parfois être stressante. La vida profesional del siglo XXI a veces puede ser estresante. Et voilà que notre ingénieur, aquí nuestro ingeniero, risque de rentrer un soir la tête dans les problèmes. Puede ser que una noche entre con la cabeza llena de problemas. Et il sera comme blessé au bord du chemin de la vie. Y estará como herido al borde del camino de la vida. Les aléas de notre électronique moderne. Los ires y venires de nuestra electrónica de hoy. Ça, vous en avez un chacun. Ya tenéis uno cada uno, ¿verdad? Alors, Victor. Victor. Je t'invite à la plus grande des patiences. Te invito a la más grande de las paciencias. Parce que parfois tu essaieras d'atteindre Lucie. Porque a veces intentarás localizar Lucy.
Alors, jusqu'au mariage, Lucie, elle est sur son portable 24 heures sur 24. Hasta la boda del el día del matrimonio, Lucie está 24 horas o 24 en su teléfono. Et tu l'atteins à tous les coups. Y tú la tienes siempre disponible. Mais mon cher ami, pero querido amigo, une dame après, quand elle est engagée dans la vie active, pero una mujer cuando está comprometida con la vida activa, qu'elle a 1000 occupations, que tiene 1000 ocupaciones, de temps en temps, elle n'entend pas son téléphone. A veces, no escucha su teléfono. Et pardon, Yolande, mais tu sais que c'est du vécu entre nous. Lo siento, Yolanda, pero sabes que a veces ha pasado. Et moi, j'essaye d'atteindre Yolande. A veces intento localizar Yolanda. Et j'entends l'abonné mobile désiré ne peut pas être atteint pour le moment. El abonado deseado por ahora no puede, no está disponible. Mais tu verras, c'est terrible. Pero tú verás, es terrible. T'as l'impression qu'elle ne veut pas te parler. Et tú tienes la impresión de que no quiere hablarte. Et après, quand enfin tu l'atteins, y en por fin cuando consigues hablarle, elle te dit, te dice, mais mon téléphone était sur silence après l'église. Et mi teléfono estaba en silencio después de la iglesia. Et tu peux plus te fâcher. Y no puedes enfadarte. Mais n'empêche que tu trouves ton conjoint comme un peu blessé au bord du chemin. Pero encuentras que tu esposo está como herido al lado del camino. Et puis il y a des fois simplement la fatigue. Y a veces es simplemente la fatiga. Peut-être que des fois Lucie rentrera très fatiguée. A veces Lucie entrará muy cansada. Ou Victor. Ou Victor. Quelle va être votre attitude devant ce conjoint qui ne sera pas tout à fait le même que celui que vous avez épousé cet après-midi? ¿Cuál va a ser vuestra actitud cuando en esos momentos vuestro esposo no sea como ese que está ahora sentado a vuestro lado? Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur de la parabole? ¿Qué ha hecho el señor de la parábola? Quand il était blessé. Cuando estaba herido. Rien. Nada. Il ne pouvait rien faire. No podía hacer nada. Il était trop blessé. Estaba mal herido. Par la vie, par je ne sais quoi. Por la vida, por no sé el qué. Il a dû attendre que quelqu'un vienne l'aider. Ha tenido que esperar que alguien venga ayudarle. Et vous vous souvenez sans doute que dans la parabole biblique, il y en a d'abord deux qui passent sans s'arrêter. Y si os acordáis bien, hay dos personas que pasaron al lado de él sin ayudarle. Alors j'espère bien que ce sera jamais vous. Y espero que nunca seáis vosotros. Si Lucie était au bord du chemin que Victor Hugo ne s'arrête pas, tu m'appelles. Lucie, si eres tú la que estás al lado del camino y Víctor pasa sin pararse, me llamas. Mais Victor Hugo, si tu es au bord du chemin et que Lucie ne s'arrête pas, tu m'appelles aussi. Y Víctor, si eres tú el que está en el camino y Lucie no se para, tú también me llamas. Et on reprendra le cahier de la préparation au mariage. Y recogeremos juntos de nuevo el manual de trabajo de pareja. Non, heureusement, vous savez bien, le troisième personnage qui vient. Y sabéis, menos mal, que hay un tercer personaje que entra en juego. Lui, il va s'arrêter. Él va a pararse. Et bien sûr, vous le savez, c'est lui votre exemple. Y sabéis que es vuestro ejemplo. Soyez comme ce samaritain. Sed como ese samaritano. L'un pour l'autre. El uno por el otro. Lui, il s'est arrêté. Él se ha parado. Il a pris du temps pour le blessé. Cogió tiempo para estar con el herido. Il a soigné les plaies. Él ha curado las heridas. Il a apporté du réconfort. Y le dio consuelo. Et même plus. Y aún más. Vous vous souvenez qu'on nous dit qu'il prend le blessé sur sa propre monture. ¿Y os acordáis cuando dice que lo coge y lo pone sobre su propio asno? Et qu'il le conduit jusqu'à l'auberge. Y que lo conduce hasta el albergue. Alors là, attention, pas d'esprit mal tourné. Sí, ahí tened cuidado, no quiero espíritus que van a, o sea, gente que va a cambiar mis palabras. Parce que je crains de deviner dans le cerveau de quelques-uns. Porque creo adivinar en los cerebros de algunas personas. Que quand le samaritain confie le blessé à l'aubergiste. Que cuando el samaritano confía el herido al mesonero. Il y en a peut-être qui se disent, ah, il faudrait un amant ou une maîtresse. Ah, es que entonces eso se refiere a que es un amante. Alors, pas du tout. Non, no es para nada eso. Tu peux pas dire non plus fort en espagnol. Non. Hein, on est d'accord, ce n'est pas ça. No es eso.
C'est qui l'aubergiste? ¿Quién es el mesonero? C'est pas un amant, c'est pas une maîtresse. No es un amante. C'est le Christ, oui. Vous pouvez dire Dieu, vous pouvez dire Jésus-Christ. Puede decir es Dios o Jesús. Et quel meilleur plan n'y a-t-il pas que si son conjoint est blessé par la vie? Quel meilleur plan n'y a-t-il pas? Quel plan no hay mejor que cuando está herido nuestro esposo o esposa? Que de le confier à Dieu dans la prière. Que de confiarlo a Dios en la oración. D'abord, vous prenez du temps pour lui. Primero tomáis tiempo para estar con él. Vous soignez ses plaies. Curáis sus heridas. Et vous l'amenez par la prière auprès de Dieu. Y a través de la oración le lleváis hacia Dios. Pour que Dieu prenne soin de lui. Para que Dios lo cuide. Et je peux vous dire par expérience. Y puedo deciros por experiencia. Qu'il n'y a pas de meilleur remède que d'entendre son conjoint prier pour soi. Que no hay mejor remedio que escuchar a su esposo o esposa orar por sí mismo. Victor Hugo, il paraît que tu priais avec Léo pour trouver une conjointe. Dice, parece ser que tú orabas con Leo para encontrar una esposa. Tu pourrais croire que c'est fini maintenant, tu l'as. Dice, parece ser que podrías pensar que se ha acabado porque ya la tienes. Eh bien, au contraire, ça ne fait que commencer. Dice, al contrario, esto no hace más que comenzar. C'est maintenant qu'il faudra prier pour elle. Es ahora que hay que orar por ella. Et dans l'autre sens, ma chère Lucie, ça marche aussi. Y en el otro sentido, Lucy también. Bon, je vous dédie cette parabole du bon samaritain. Entonces os dedico esta parábola del buen samaritano. Ça restera votre parabole pour toujours. Esta será vuestra parábola para siempre. Et vous avez bien compris le rôle qui est le vôtre maintenant l'un pour l'autre. Y ahora habéis comprendido cuál es vuestra función el uno por el otro. Alors pour que vous ne l'oubliez pas. Y para que no lo olvidéis. Yolanda y yo veut vous laisser un petit souvenir matériel concret. Yolanda y yo queremos dejaros un pequeño recuerdo. Vous vous rappelez comment il a soigné le blessé? ¿Os acordáis cómo curó al herido? Il avait mis de l'huile sur ses plaies, vous vous rappelez? Dice. Alors là, vous allez trouver un petit flacon d'huile de massage. Bueno, como curó las heridas fue con el aceite, así es que tenéis un bote de aceite de masaje. Vous n'aurez pas besoin d'attendre que l'autre soit vraiment blessé. No deberíais esperar a que el otro esté verdaderamente herido. Vous pourrez l'utiliser pour prendre soin de lui. Pero podéis utilizarlo para tener cuidado el uno del otro. Et puis à côté, là quand vous enlèverez le couvercle, il y a une petite bougie. Y al lado cuando lo abriréis veréis una pequeña vela. Dont la flamme symbolisera la présence de Dieu. Donde la llama simbolizará la presencia de Dios. Et quand vous l'allumerez, ben vous saurez que vous êtes trois. Il y aura l'aubergiste et vous deux. Y cuando la alumbréis, sabréis que hay tres, vosotros dos con el mesonero. Et puis vous regardez bien parce que j'ai cru comprendre, ça vient de très loin, ça vient de Tahiti. Ah. Dice, y podréis ver que viene de Tahiti algo especial. Que quand vous allumez la bougie, que cuando encendáis la vela, la cire peut devenir une sorte d'huile de massage. Dice, la cera puede transformarse en aceite de masaje. Alors peut-être vous essayez tranquillement, hein, tu verses pas directement sur son dos si par hasard c'est trop chaud. Dice, probar primero que no sea demasiado caliente para ponerlo en la piel. Ainsi, mes chers Victor Hugo et Lucie. Así, queridos Lucy y Víctor. Si parfois la vie vous bouscule un peu. Si la vida os maltrata un poco. Vous serez toujours l'un pour l'autre comme ce samaritain. Os tendréis siempre el uno al otro como ese samaritano. Et c'est avec une grande joie cet après-midi que je vous confie à l'aubergiste. Y es con una gran alegría que os transfiero entre las manos del mesonero. Qui lui saura vous guider tous les jours de votre vie. Qu'elle sabrá guiaros todos los días de vuestra vida. C'est ma prière pour vous deux. Es mi oración para vosotros. Amen. Amen.
un Dieu si bon qui prend soin de nous, qui va prendre soin de vous deux, alors que vous prenez déjà soin l'un de l'autre, eh bien, on ne peut que le bénir, dire du bien de ce Dieu-là, lui dire de tout notre être, de toute notre âme, ben, Seigneur, merci, merci pour qui tu es, je te rends gloire parce que waouh, tu m'aimes, tu prends soin de moi. Nous allons chanter ce chant, bénis Dieu, ô mon âme, bénis Dieu, ô mon être entier. Bénis Dieu.
Je vous invite à vous lever. Comment aïe ? Mais non. Et je vais trouver un micro. Je vais peut-être prendre celui-là. Ouais, voilà. Peut-être qu'il faut vous avancer d'un pas, comme ça vous ne serez pas embêté. Voilà, parfait. Je crois que les engagements, vous pouvez les dire chacun à l'attention de l'autre et que la traduction apparaît. C'est ça ? Alors, je vous laisse faire. Vous voulez les feuilles ? Alors, ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Non, on va faire d'abord toi. Et après, tu sauras si elle est d'accord de dire aussi. Mon ciel, qui aurait pensé que mon histoire avec toi aurait commencé quand j'étais au Sorisson. Entre des gens... Attends, Victor, normalement, il devrait y avoir la traduction. Oui. La technique. Est-ce que vous arrivez à projeter la traduction des engagements ? Voilà. Voilà, c'est voilà, espagnol. Très bien. Mi cielo. Alors, voilà, toi, tu peux dire en français. Et voilà. Mon ciel, qui aurait pensé que mon histoire avec toi aurait commencé quand j'étais aux horizons ? On t'aurait des gens... Mais seul et triste, c'est sur là. Parce que je ne te connaissais pas, j'étais triste. Je me souviens comment c'était hier soir. Normalement, aux horizons, nous avons des problèmes avec la connexion Wi-Fi à l'époque. Mais ce soir-là, j'avais une bonne connexion. Je me suis connecté sur Facebook. Et je me suis mis à liker des photos des filles adventistes. Aïe. J'ai aimé ta photo de profil. J'ai fait une invitation pour devenir ton ami. Par la grâce de Dieu, tu m'avais accepté. Malheureusement, je n'étais pas écrit parce que j'avais un peu honte de ces moments-là, des faiblesses, que j'avais envie d'oublier. Ça arrive. C'est cinq mois plus tard, je suis à Vienne, en Suisse, pour Mission Caleb 2016. Et là, je vois une belle fille venir vers moi et dire « Hey, Victor, salut Victor !» J'étais vraiment surpris. L'histoire, ça remonte. Maintenant, je suis là, devant toi, heureux de te choisir comme ma reine, mon amie, ma confidente, ma femme et ma partenaire de vie. Avec l'aide de Dieu, je te promets t'aimer en toutes circonstances de la vie. Avec moi, tu compteras toutes les couleurs de la nature humaine. Je serai avec toi comme l'Esprit de Dieu est avec nous. Je vais essayer. Je ferai de mon mieux pour que nous deux royaumes soient un seul. Je souhaite agrandir notre royaume avec Jeanne et Aaron. C'est des prénoms qu'on va donner au futur. Comme le dit Ridley Scott, ce qu'on l'a fait dans sa vie, résonne dans l'éternité. Je veux que mon amour pour toi résonne dans l'éternité. Je t'aime, Lucie. Je te choisis de t'aimer pour toujours. Amen. La traduction. Mi amor, qué hermoso día. Nunca hubiera imaginado estar aquí gracias a una mochila olvidada.
esa mochila que me llevaste hasta mi casa en Avignon. Desde ahí comenzó una bonita amistad y empezamos a llamarnos cada mes, después cada semana y finalmente todos los días. Yo amo eso de todos los días, pues a partir de ahora vamos a vivir muchos días juntos durante muchos años. Y me siento muy bien cuando imagino nuestro futuro. Nos unimos y tu familia se convierte en mi familia, así como mi familia se vuelve también tu familia. Tu lengua materna también se vuelve mi lengua materna. Formamos una buena pareja. Nos reímos y compartimos nuestros sentimientos con confianza. Nos aceptamos como somos y somos auténticos. Me imagino que nosotros fundamos nuestra propia familia donde reina la paz, la armonía, el amor y la felicidad que encontré en ti el día en que te conocí. Feliz de que estuviéramos juntos. Estoy consciente que no todo va a ser color de rosa y que seguramente habrá conflictos y malos entendidos, pero sé que lo superaremos, pues nos amamos y seguiremos unidos gracias a Cristo. Esto es lo que ya empiezo a vivir contigo y agradezco a Dios haber encontrado a un hombre, mi esposo, que lo ama con todo el corazón. Le agradezco el haber traído a Francia y el haberlo mantenido cerca de él durante todos estos años y sobre todo le agradezco el haberlo puesto en mi camino. Vamos a seguir este camino unidos de la mano con Dios como guía y como él al centro de nuestro hogar. Je suis un peu ému. Tu n'as pas compris, moi. Je suis un peu ému. Ah, pas toi? Si, je n'avais pas compris. Estamos emocionados al oír todas estas palabras. Nous avons tous entendu ces belles déclarations d'amour. Todos hemos escuchado estas bellas declaraciones de amor. Et nous avons le privilège, en ce 29 juillet, d'en être tous témoins. Y tenemos el privilegio de ser todos testigos este 29 de julio. Alors il me reste une question à vous poser avant de prier pour vous, pour votre union. Así es que me queda solo una pregunta antes de orar por vosotros. Victor, ayant entendu tes paroles. Victor, habiendo escuchado tus palabras. Veux-tu t'engager devant Dieu et devant cette assemblée témoin? À prendre pour épouse Lucie, le tilleul, ici présente. Attends, tu as trop vite. Mais ton enthousiasme fait plaisir. ¿Quieres comprometerte, según como lo has declarado, con tu voto, delante de todas estas personas, a tener a Lucie como tu esposa? Veux-tu t'engager à lui rester fidèle et dévouée pour toujours? ¿Te quieres comprometer a serle fiel y a dedicado a ella solamente para siempre? ¿Cuál es tu respuesta? Oui. Oui. ¿Cuál es tu respuesta? Sí. Et toi, Lucie, ayant entendu tes paroles aussi, habiendo escuchado también, Lucie, tus palabras, veux-tu t'engager devant Dieu et devant cette assemblée témoin à prendre pour époux Victor Hugo Lara, ici présent? ¿Quieres comprometerte delante de Dios y de todas estas personas a tener, a aceptar a Víctor como tu esposo? ¿Veux-tu t'engager à lui rester fidèle et dévoué pour toujours? ¿Quieres, désolé, quieres comprometerte a serle fiel y a estar dedicada que para él hasta todos los días de tu vida? Ta réponse est oui. Tu respuesta es sí.
Nous sommes tous témoins de ces engagements et j'inviterai l'Assemblée, du coup, à se lever. Nous allons prier ensemble avec les mariés et j'invite donc les quatre témoins que vous aviez choisis, Rulio et Aude, Clotilde et Anne Marion, à venir nous rejoindre pour cette prière. Vamos a orar, es el momento de la bendición y nos pide que nos pongamos todos de pie. Vous pouvez monter par ici. Est-ce que vous arrivez à vous mettre à genoux? Alors on va se mettre à genoux. Vous pouvez être deux de chaque côté, les deux témoins de Lucie à sa gauche, les deux témoins de Victor Hugo de ce côté. Voilà, si on peut se mettre à genoux. Est-ce qu'on traduit la prière? Oui. Oui, ok. Notre Père, notre Dieu. Nuestro Padre, nuestro Dios. Nous te remercions pour cet après-midi joyeux. Te damos muchas gracias por esta tarde tan alegre. Nous te remercions pour le bonheur que nous lisons dans les yeux de Victor et de Lucie. Te damos muchas gracias por la felicidad que descubrimos en los ojos de Victor y Lucie. Et nous n'avons qu'une prière. Y solo tenemos una oración. Que ces moments heureux puissent durer. Que este momento pueda durar. C'est vrai, il peut y avoir des jours avec des nuages et de l'orage. Sí, es verdad, puede haber días en los que habrá tempestades y mal tiempo. Mais si Lucie et Victor savent être le bon samaritain. Pero si Victor y Lucie saben ser ese buen samaritano. Ils pourront se retrouver auprès de toi dans l'auberge. Podrán encontrarse al pie del albergue contigo. Et tu sauras soigner toute difficulté. Y sabrás curar toda dificultad. Seigneur, nous te prions d'être pour eux l'aubergiste de leur vie. Te pedimos que seas para ellos el mesonero de su vida. Qu'ils puissent ne jamais l'oublier. Que puedan nunca olvidarlo. Et nous qui sommes témoins de cette alliance. Y nosotros que somos testigos de esta alianza. Nous voulons aussi nous engager à prier pour Victor Hugo et Lucie. Queremos comprometernos a orar por Victor Hugo y Lucie. Pour qu'ils soient joyeux dans la vie. Para que estén felices en la vida. Et soutenus par toi s'il y a des moments plus difficiles. Sostenidos también por ti cuando haya momentos difíciles. Seigneur, bénis Victor Hugo et Lucie. Señor, bendice Victor Hugo y Lucie. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amen. Amen. Et pour donner un aspect matériel à l'alliance qui vient de se dessiner, j'invite Eva à venir avec les alliances. Y para dar en este momento un aspecto tangible, invitamos a Eva a venir. Apparemment, Eva et sa maman. Parece que Eva y su mamá. Laisse chanter sur la suite. Le bisou. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Je suis tombé.
Je t'adorerai. Et encore une fois. Je t'adorerai. Pouvez-vous asseoir? Podéis sentaros? Victor Hugo et Lucie, je crois que je vais oser. Victor Hugo et Lucie, je creo que voy a lanzarme. Quel est le point commun qu'il y a entre une Bible et un parapluie? ¿Qué es lo que hay en común entre una Biblia y un paraguas? Oui. Tu es sur la bonne voie. Les deux ne sont utiles que si on les ouvre. Ah. Dice, los dos son útiles que cuando los abrimos. Combien y a-t-il de Bibles de mariés? ¿Cuántas Biblias hay de esposos de casados? Qui sont distribuées dans le monde chaque année. Que son están distribuidas cada año. Des milliers, des millions, sans doute. Miles, millones. Mais combien y en a-t-il qui prennent la poussière et que la poussière? ¿Y cuántas acumulan que el polvo y el polvo? Alors je veux croire qu'entre vous, cette Bible-là sera ouverte. Yo espero que entre vosotros esta Biblia se abrirá. Et qu'elle n'aura jamais le temps de prendre la poussière. Y que nunca tendrá polvo. Chaque fois que vous ouvrirez un parapluie ou un parasol. Cada vez que abráis un paraguas, un parasol. Repensez à votre Bible. Pensez de nouveau à votre Bible. Pour la dédicace. Para la dedicación. J'ai hésité à remettre un verset du Bon Samaritain. Estaba pensando en meter un versículo del Buen Samaritano. Mais je l'ai pas fait. Pero no lo he hecho. Parce que l'histoire, ben, vous la connaissez. Porque la historia la conocéis. Et j'ai trouvé un magnifique verset dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Y he encontrado un versículo muy bonito en 2 de Corintios. J'ai juste changé le mot frère. Y solo he cambiado la palabra hermanos. Par le mot Victor et Lucie. Por Victor y Lucie. Mais sinon, écoutez bien, c'est exactement 2 Corinthiens 13, versets 11 et 12. 2 de Corintios 13, 12 y 13. Au reste, Victor et Lucie, soyez dans la joie. Por lo que queda, Victor y Lucy, estar en la ser felices. Perfeccionez-vous. Perfeccionaros. Consolez-vous. Consolaros. Ayez un même sentiment. Tened un mismo sentimiento. Vivez en paix. Vivid en paz. Et le Dieu d'amour. Y el Dios de amor. Et de paix. Y de paz. Sera avec vous. Será, estará con vosotros. Et je lis encore le verset 12. Y el versículo 12. Saluez-vous par un saint baiser. Saludaros con un sano beso. Vous pouvez. Voilà, 2 Corinthiens 13, versets 11 et 12, et votre Bible en souvenir du 29 juillet. Est-ce que j'ose vous embrasser? Victor, que Dieu te bénisse. Je laisse la parole à Aïna, elle est là, pour quelques recommandations pour la suite. Alors, pour la sortie, les mariés vous invitent à sortir en premier pour les accueillir à la sortie. Ils vous suivront juste après. Para la salida, nos invitan a todos a salir con anterioridad, no esperar a que ellos salgan, ellos vendrán después. Une fois dehors, les mariés feront un lancer de colombes. Y después ellos, cuando estaremos fuera, van a lanzar dos palomas. Il n'y aura donc pas de riz ni de fleurs à lancer. Y aura o pas? No hay ni arroz ni otro tipo de cosas que vamos a lanzar. Mais vous aurez le droit de rallumer vos téléphones. Ah, pero tendremos la alegría de poder encender nuestro teléfono. Aussi pour la suite, ceux qui ont reçu le petit carton d'invitation. Sont priés de le prendre avec eux et de nous rejoindre. Il prend quoi? Le carton d'invitation pour la
Ah, y los que han recibido un cartón de invitación, podremos acompañarlos a donde vamos a ir después. Pour ceux qui nous rejoignent pour la suite, c'est à 20h à la cafétéria. Y para los que van a hacer la segunda etapa es a las 8 en la cafetería. Mais tu dis pas qu'on est tous invités sous... Pour tous les autres, enfin, tout le monde en fait, il y a le vin d'honneur qui se fera juste en contrebas à l'ombre. Para todos estamos invitados a la salida después a encontrarnos debajo de los árboles para poder compartir un momento al lado de unas mesas y es el vino de honor. Merci beaucoup. Gracias. Et nous sommes invités à nous lever pour recevoir la bénédiction à la fin de cette cérémonie. Vamos a recibir la bendición al final de esta ceremonia. Que Dieu, votre Père, vous garde unis et fasse grandir votre amour. Que Dios, vuestro Padre, os guarde unidos y haga crecer vuestro amor. Que des enfants soient la joie de votre foyer. Que los niños sean la alegría de vuestro hogar. Et qu'en toute occasion, de vrais amis vous entourent. Y que en toda ocasión, los verdaderos amigos os rodeen. Que votre travail à tous deux soit béni et que la paix demeure dans votre maison. Que vuestro trabajo de los dos sea bendecido y que la paz esté en vuestra casa. Lucie et Victor Hugo. Et vous tous ici présents. Y todos los que estáis aquí presentes. Que le Dieu tout-puissant vous bénisse. Que el Dios todopoderoso os bendiga. Le Père, el Padre, le Fils, el Hijo, et le Saint-Esprit. Y el Santo Espíritu. Amen. Amen. Allons en paix. Vayamos en paz.
Fermez les portes. Salut tout le monde. Merci d'être venu au mariage. Merci pour tous vos cadeaux. Merci à la famille qui était là aussi. Voilà, aux amis, à tous ceux qui ont pensé à nous, à tous ceux qui nous ont supportés pendant les préparations. Et qui sont bien aussi, éclatés dans la fête aussi. Voilà, j'espère que vous êtes bien amusés et que vous avez bien profité et que tout s'est bien passé également pour vous, votre retour également. On va avoir des nouvelles de la part de nous. Voilà, on est parti en lune de miel, on est revenu maintenant, on s'est bien amusé. On est content. Oui. On est mariés. Ouais. Voilà, on a une vie heureuse maintenant, on est bien. Oh oui, on va faire. J'ai oublié de te dire, Diane, Yaron, on s'en. Bon, plus tard. Voilà. Plus tard. Merci à tous. Merci. Et à bientôt. Et à bientôt. Vous aime.